Le musée du Nouveau Monde est consacré aux relations historiques, commerciales, culturelles et artistiques entre l'ancien et le nouveau continent, entre l'Europe, la France et plus précisément La Rochelle, et les Amériques dans leur ensemble. Riche d'une collection de 2200 objets, des peintures, des objets d'art décoratif ou d'ethnographie, un grand nombre de documents graphiques aussi, le musée aborde la période de la conquête avec Christophe Colomb jusqu'à nos jours. Ouvert en 1982, le musée a été conçu dès l'origine en fait comme un musée d'histoire. Il recouvre à la fois les zones de l'Amérique du Nord, de l'espace Caraïbe et dans une moindre mesure l'Amérique du Sud avec notamment le Brésil. On parle ici d'exploration de la Nouvelle-France, de contact avec les Premières Nations, de traite des fourrures au XVIe siècle par exemple, mais aussi de commerce triangulaire et d'esclavage au XVIIIe siècle. Et enfin, on aborde les questions d'images fantasmées, rêvées, imaginaires de l'Amérique. Il s'agit aujourd'hui de perpétuer ce travail en donnant des clés de compréhension du passé et du présent, de rendre les sujets accessibles au plus grand nombre, mais aussi de travailler une matière en constante évolution, l'histoire, en faisant le lien avec des universitaires et des artistes qui apportent des regards et des interprétations différentes. Les liens entre l'Université de La Rochelle et le Musée du Nouveau Monde ont été fondateurs, hein, dès la création même de l'université en 1993. En effet, parmi les thèmes de recherche de cette même Université de La Rochelle, bah, figure l'expansion maritime et coloniale. Et donc le musée a toute sa place justement dans les problématiques qui sont mises en œuvre par les laboratoires de l'université, et en particulier le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique auquel j'appartiens. La Rochelle est une des villes-ports, pour être plus précis, les plus précocement présentes sur la scène américaine. On évoque déjà, dès l'année 1521, des vaisseaux rochelais qui sont, nous dit-on, sur la route des Indes. Alors, à l'époque, c'est le mot qu'on utilisait pour dire Amérique. Et au fil des décennies, les Français, et notamment nos Rochelais ici, ont pris justement pied, hein, sur ce continent américain. Donc ils vont être partie prenante de l'aventure canadienne entre 1604 et 1608. Hein, on peut évoquer ici la fondation de la ville de Québec en 1608, avec laquelle La Rochelle entretient aujourd'hui, hein, des liens. Et puis, on peut également évoquer les Antilles françaises, Saint-Christophe, hein, dans les années 1620, la Guadeloupe, la Martinique, dans les années 1630-1640. Et les Rochelais vont également être partie prenante dans la colonisation de la partie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, La Rochelle s'impose comme le premier port négrier français. Les dernières statistiques nous montrent que 60% des navires négriers armés en France au XVIIe siècle ont été à La Rochelle. Donc ça montre bien la place que cette ville a eue dans ce domaine. Au XVIIIe siècle, La Rochelle est en deuxième ou troisième position, hein, en fait, j'ai bien en fonction des décennies que l'on retient. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette thématique, elle est bien présente, hein, dans les collections du musée du Nouveau Monde. D'ailleurs, et on ne le sait généralement pas, le musée du Nouveau Monde est le premier musée à avoir ouvert une salle dédiée à l'esclavage et à la traite des Noirs. Et justement, après l'ouverture du musée du Nouveau Monde, un lien fort s'est fait avec le monde de la recherche, avec Jacques de Cona, par exemple, qui a travaillé sur les habitations rochelaises à Haïti, mais aussi avec Jean-Michel Devaux, qui est le premier dans la région ici à avoir travaillé sur la traite des Noirs. Et ces deux chercheurs ont contribué très largement, eh bien, à documenter, hein, ces collections en voie de constitution ici au musée. Une documentation qui a permis, bah, ensuite de valoriser ces mêmes collections, notamment des tableaux et autres objets, auprès des publics, en direction des publics, dans le cadre d'une véritable médiation scientifique. Thank you.
ici, on est au cœur d'une des périodes, je dirais presque fondatrices, de la ville de La Rochelle telle qu'elle est aujourd'hui. C'est le moment où la ville se transforme. C'est, je dirais presque hélas, parce que tout ça, c'est le fruit du travail sur l'esclavage, d'une période où la ville est très riche, puisque les expéditions sont nombreuses, que le commerce triangulaire fait une double valeur. Bien sûr, le commerce des esclaves par eux-mêmes, et ensuite le commerce des produits faits par les esclaves, donc bien sûr tout le sucre. Donc on est ici dans un musée à la fois récent, mais qui est focalisé avec des œuvres et des documents extraordinaires qui nous rappellent avec beaucoup de précision l'histoire de notre ville de La Rochelle à une période où tout se transforme. Au musée du Nouveau Monde, on se retrouve à Port-au-Prince. C'est une société antillaise, rochelaise. Aujourd'hui, Fleuriot est un quartier de Port-au-Prince. C'est le quartier des artistes, d'ailleurs. Et quand on est dans Port-au-Prince, beaucoup de noms de rues sont des noms rochelais. La rue Delmas, également. Donc on va retrouver une ambiance dans ce musée qui nous amène dans la société de l'époque, société très particulière. C'est à la fois une période, je dirais, sombre, parce que c'est l'histoire et l'exploitation de l'esclave, mais une période où tout va basculer, parce que l'histoire de Toussaint Louverture, eh bien, c'est aussi l'histoire de l'abolition de l'esclavage qui démarre en Haïti. Quand mon prédécesseur, Maxime Bonneau, fait la commande à Ousmane Sow de l'œuvre sur Toussaint Louverture, on se pose la question, où le mettre? Et c'est grâce à la décision d'Ousmane Sow lui-même de nous dire « je pense qu'elle serait bien là ». C'est évidemment au cœur de cette maison, puisque que ce soit l'esclave qui reprend possession d'une certaine manière, même indirectement, de la maison du maître, tout ça a beaucoup de sens. Et je pense qu'elle est partie pour maintenant plusieurs centaines d'années à cet emplacement qui est à la fois la mémoire d'Ousmane Sow, mais bien sûr la mémoire de Toussaint Louverture.